ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。頑張って。プロンプト。グラディオ。イグニス。あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうか。ご無事で。陛下。行ってくる。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな親父、一緒に過ごせて幸せだった。ルシスの王よ。集え。
準備行くぞ。はい、せーの。よいしょ。ほんとないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそう。Pas mal le coup d'utiliser les photos. Ouais, c'est les photos qu'on a prises tout le long du jeu. Pas mal, ça c'est malin. Alors, dernier... ça me fait rire, moi. Alors, ce qu'on a vu à la fin, les chevaliers... Enfin, pas les chevaliers, parce que c'est pas des chevaliers, c'est des rois. Les rois qui sont morts, tout ça. On les a vus, en fait, attaquer Irvine, c'est ça? Non, ouais, bon bref, le méchant. Et ça m'a rappelé, encore une fois, Final Fantasy VII, les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers, cette chimère, en fait, c'est une chimère qu'on invoque dans le 7. En gros, il y a tous les chevaliers comme ça qui attaquent le monstre, hein, où c'est qu'on invoque la chimère contre. Et voilà, ça m'a trop rappelé ça. Je me suis dit, putain, regardez-moi ça. Ils prennent tous une arme et ils tapent tous à la suite et on dirait trop les chevaliers de la table ronde. C'est abusé. Il y a trop de références à Final Fantasy VII dans le 15. Alors je sais pas si... Alors c'est peut-être moi qui ai le 7 à l'esprit. C'est possible aussi. Là encore, on voit le météore et tout qui a été arrêté par Titan. Le météore qui a été invoqué par Zephyroth dans le 7. Tout ça qui a été stoppé par le sacré de Aerys. Tout ça. Et voilà. Il y a tellement de trucs. Pourtant, j'ai jamais eu ça dans le reste des Final Fantasy. Moi, j'ai fait le 8, le 9, le 10... le 11, le online, donc après j'ai fait le 12, j'ai fait le 13, j'ai fait le 10-2 aussi, j'ai le 14, j'ai même joué au 14 aussi, c'était aussi celui online. J'ai jamais eu de trucs comme ça, autant de choses qui m'ont rappelé le 7. Mais bon, voilà, après c'est moi, hein, c'est moi. Mais je trouve ça abusé. Après c'est bien parce qu'ils reprennent vraiment un des meilleurs Final Fantasy. Elle, putain, faudrait elle qu'on l'ait dans l'équipe. Ah, fait chier. J'aurais bien voulu qu'on puisse l'avoir dans l'équipe. En tout cas, ce que je pense de la fin, franchement, pas trop être méchant, elle était très décevante, voire pourrie, hein, voire nulle. Hein. Le combat, bon, contre Ifrit, et oui, plus ou moins impressionnant, légèrement, mais après, tout reste dans le gameplay. Le gameplay, il est très basique. C'est du triangle rond, carré pour esquiver. Voilà, c'est super simple. Et après le combat contre le dernier, contre Irvine, c'est Irvine? Putain, j'ai... Oh merde! Je sais, j'ai une mémoire de poisson rouge des fois. Le combat contre lui, c'était nul.
c'était vraiment nul. Peut-être à le regarder, c'est spectaculaire, c'est impressionnant parce qu'il y a plein d'effets lumineux, tout ça. Mais je veux pas dire, mais c'était pourri, hein. C'était vraiment pourri, hein, le combat. Donc vraiment très très déçu de ce côté-là. Par contre, si la musique, là vous voyez les paroles, je l'aurais sûrement coupé la musique pour éviter des strikes en fait sur YouTube, parce que la musique doit sûrement être protégée, donc on va devoir enlever ça. Mais voilà, enfin voilà, très déçu de la fin, très déçu de la fin. La cinématique est très belle quand on voit les anciens rois, tout ça qui reviennent et tout, qui vont dans l'anneau, enfin dans le corps de Noctis. Ça c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Mais après non, c'est assez déçu, très décevant. Le coup des 10 ans plus tard, c'était inattendu, mais bon, ça a déjà été fait dans plusieurs autres jeux. Par exemple, moi, c'est direct, ça m'a rappelé Zelda Ocarina of Time, hein, celui-là sur Nintendo 64. Et il y a sûrement une cinématique, donc je vais me taire. Mais on va en reparler après. どうした? くそ。なんだよ。全然出てこねえな。 俺な 覚悟して帰ってきたんだよ。けど、なんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い。やっぱつれえわ。 みんなどうもな。俺、お前らのこと好きだわ。 Ok, je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je disais. Je dois avouer que cette scène est assez émouvante. J'ai beaucoup aimé l'expression de Noctis en fait. Elle faisait très très vrai, très réel, et avec la voix qui flanchait un peu. Vous savez quand vous êtes sur le point de craquer et tout ça, et on le voit pleurer de ça. Ok,
Cette scène est pas mal, et c'est ça qui manque à ce jeu. Ce jeu a du gros potentiel, et moi c'est ça qui me rend furax, qui me rend fou. Ce jeu a un putain de potentiel de fou. Si vous l'avez aimé dans tous les sens, tant mieux pour vous, tant mieux. J'ai bientôt 30 ans, j'ai fait énormément de Final Fantasy, j'ai fait énormément de RPG, j'ai connu énormément d'histoires entre films, livres et jeux vidéo. Je dois avouer que je voulais beaucoup plus de ce Final Fantasy. Et là, je vois qu'avec cette scène, rien qu'avec cette scène, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, putain, quand même Noctis, il en a gros sur la conscience. Il voit cette bande de potes, en fait, c'est vraiment, ils sont vraiment comme s'ils étaient frères. Et là, c'est bien. Et voilà, mais c'est ce qui me manquait dans ce putain de jeu. Tout le long de l'histoire, c'est ça que je voulais. Moi, c'est des scènes comme ça, des scènes prenantes où c'est qu'on est à la limite des larmes, presque, je dis, mais... Voilà, des choses comme ça, c'est ça qui manquait. Cette scène, par exemple, elle aurait dû être au milieu du jeu. Quand il sait que par exemple, quand Noctis apprend qu'il doit se sacrifier, ou des trucs comme ça, il fallait cette scène-là, pour qu'on voit, pour qu'on se dise, oh putain, c'est vrai que là, on va en mourir de ça, on va en mourir de cette aventure, on va perdre nos frères, nos amis qu'on considère comme nos frères, qu'on a fait l'aventure ensemble. Et là, ça devient important, là, les personnages deviennent importants, là, l'histoire devient importante. Et c'est ça qui manquait. Donc cette scène me prouve à moi, en tout cas, que le jeu avait du potentiel, mais qui a été très mal découpé. Personnellement, c'est ça qui me gêne. Très mal découpé entre histoire et personnage. Très mal ficelé. Vous auriez dû mieux faire. Et voilà, nous avons vaincu les ténèbres, donc le jour se lève. Ah, ça me dérange, j'ai pas ce sentiment d'accomplissement en fait, j'ai pas ce sentiment... Où je me dis, putain, j'ai fait tout ça et j'ai gagné. J'ai l'impression que... Ah, voilà, j'ai pas assez, c'est tout. C'est ça le problème, j'ai pas assez. Ah, putain. Freena. Musconi, Yubia ou Todokete Krete. Arigato. Chitte no Tori. Tayorinai Muscodaga. Saiko no Muscoda. Regarde cette photo, t'y es pas dessus. Ça me fait rire. Oh putain.
Ah, mais c'était... Oh putain, c'était elle. J'ai jamais regardé, vraiment. Pour celui-là, en tout cas, je me suis jamais renseigné. Qui c'était le symbole. Avec Noctis, en fait, à côté. C'est marrant. Sympa, ça. Dans tous les Final Fantasy, c'est très important, le logo derrière. Fin. C'est très important. Comme le météore dans le 7. Félicitations, vous recevez un certificat de fin de jeu que vous pouvez partager pour témoigner le résultat de votre voyage. La photo du certificat est enregistrée automatiquement. Ok ? Niveau 49, 38 heures. Certificat de fin de jeu. C'est pas mal. Par contre, bon, je suis sûr que beaucoup, beaucoup, mais alors des tonnes de gens ont sûrement la même photo. Parce que oui, c'est vrai que c'est un peu la photo du début du jeu, et puis voilà, quoi, c'est les quatre qui sont ensemble. Enfin voilà, quoi. On aurait dû prendre Cindy. On aurait dû prendre Cindy. Oh putain, ça aurait été marrant. Ah bah tiens, on a 151 maintenant. On s'en fout, broadcast, donc casse-toi. Désolé. Retour. Effectuez une sauvegarde de fin, vous pourrez la charger pour reprendre votre partie en dehors de la citadelle et retourner dans le passé. D'accord, ça marche. Donc le New Game Plus, hein, quoi, en gros. Hein. On va le mettre en premier, comme ça c'est fait. Ah voilà, très bien, parce qu'il y a le logo, maintenant on voit la différence, ça marche, cool. La promotion sera... Voulez-vous continuer ? Oui. Pourquoi sera plus sauvegardé, je comprends pas. On regarde ce qui se passe, hein, une fois qu'on a fini le jeu. Hein. Ah, le logo a changé. Pas mal. Ok, cool. Ça, c'est pas mal, c'est cool. Ok, on va charger la partie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois, qui demandent de voir ce qui se passe après, une fois qu'on finit le jeu. Et j'aime bien le montrer, parce que, bon, là, normalement... Épilogue, souvenir d'un voyage. Explorer le monde à votre gré, vous... Découvrez peut-être de nouvelles choses. Je sais qu'il y a des quêtes qui se débloquent une fois que vous finissez le jeu principal. Je sais très bien. Donc, en gros, ne faire toutes les quêtes secondaires avant de finir le jeu, c'est pas obligé, parce que du coup, vous allez quand même de toute façon avoir des nouvelles quêtes qui se déclenchent après que le jeu soit fini. Donc au final, vous pouvez le finir vraiment quand vous voulez. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de quêtes secondaires au début. Après, ça devenait un peu chiant, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinématiques, il n'y a pas de parlotte, rien. Donc ce qui s'est passé, on a un peu spammé l'histoire, et puis à un moment, une fois qu'on arrive vers chapitre 10, on arrive vraiment où c'est que il y a que de l'histoire, enfin l'histoire s'enchaîne très vite, très vite. Pourquoi je peux pas passer? Ah oui, il y a de l'eau, d'accord. Attends, on est où exactement, là? On est là? Ah, c'est peut-être un endroit où c'est qu'on pouvait se reposer, en fait. Attends, c'est où le fou? Ah, voilà, c'est bon. Et elle est où, la glace? Pas de glace? Bon, c'est pas grave. On est où là? Insomnia? Est-ce qu'on est insomnia avant de finir le jeu ou qu'est-ce qui se passe? Je vais juste regarder ça. Donc si ses compagnons sont enfin rentrés à insomnia après 10 ans d'absence, malheureusement la cité est en ruine et envahie de démons. Et les troupes de Magitech incontrôlées. Il est grand temps que le roi élu. Ok, d'accord. On est à la fin en fait. D'accord, ok.
Ok, donc... Oh, mais ça, c'est un peu con. Enfin, j'aime pas trop... En gros, on peut refinir le jeu si on veut, quoi. Moi, j'aime pas avoir cette solution. Je trouve ça un peu con. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on peut faire... C'est un peu étrange, hein, cette façon de faire. Hein. C'est un peu étrange, mais... Alors... Si j'ai bien compris... Ah, elle est là, la glace. Pardon, j'avais pas vu. Ah, très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est ça. Appeler Ombra. Et on retourne dans le passé. Alors, Ombra vous regarde fixement. Aller dans le passé du Lucis, la patte, le laisser seul, aller dans le passé. Ah, on a les deux continents. D'accord, cool. Donc en fait, on a trois, pour faire court, hein. Après on va arrêter la vidéo parce que ça fait un peu long. On a trois endroits où aller. On a Lucis, donc ça c'est le début, je vais attendre de montrer la carte. Allez. Ah putain. Chargement. Donc on a Lucis, donc c'est le premier continent. Après on a le deuxième continent. Et après on a le retour à Lucis, mais en fait 10 ans après, en gros, de ce que je vois. Bon, par contre 10 ans après, je crois pas qu'il y ait des quêtes, parce qu'on a vu que les quêtes, en fait, on pouvait pas les faire. Les anciennes en tout cas, on pouvait pas les finir dans le futur, enfin 10 ans après. Après, est-ce qu'il y a des quêtes uniques dans ce monde-là? Je sais pas. Possible. Par contre, il est envahi de démons et c'est la nuit constamment, donc je crois que c'est le meilleur endroit pour farmer de l'expérience du coup. Parce que là, les monstres, il y en a pas mal, hein. Là, c'est bon, on est servi, quoi. Là, il y en a des tonnes, hein, de monstres. Ah, il est redevenu. Et eux aussi, ils sont redevenus. Ouais. Oh, il est... Ouais, d'accord, en fait, on revient vraiment 10 ans avant, quoi. C'est bizarre, hein. Ah, ça fait étrange, parce que... Ignis, en fait, il a la vue, maintenant. Très étrange, ça fait très étrange de faire ça. Mais d'accord, ok, je comprends. Ok, ça marche. Donc là, on est de retour à Lucis, on est de retour ici. Après, il y a l'autre continent, comme je disais. Et après, il y a le monde 10 ans après. Où c'est que... Ah, par contre, on n'a plus la voiture 10 ans après. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ouais, on va le faire après. Je voulais juste aller voir mes carottes en fait. Ouais, ok, non, ça va, c'est sympa. Ce New Game Plus en fait, on va dire, est pas mal. Est bien fait en tout cas. Donc ça va, c'est cool. Bien sûr, on garde toutes nos armes et tout ça, il n'y a pas de problème. On a aussi l'anneau de Lucis, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Les vêtements, par contre, Noctis, bon, moi, je suis pas... J'aime pas trop, moi. Comme ça, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il enlève la cape, en fait. Faudrait qu'il enlève la cape et les épaulettes, là, ce serait bien. Ouais, bon voilà, ça sera tout. Je pense que ça sera tout, hein, pour Final Fantasy XV. Bien sûr, moi, vu qu'on est jeune, on va rester comme ça, parce que c'est classe. Bien sûr, moi, je pense que je vais continuer, parce qu'on a plein de choses à faire, on a des quêtes secondaires et tout ça, donc bon, je pense que je vais quand même continuer à en poster du final. Moins souvent du coup, parce que bon, on a fini quand même l'histoire principale. Et voilà, donc dernière note pour moi, encore une fois, je le dis, assez décevant ce Final Fantasy, parce qu'on l'attendait depuis 10 ans déjà. Après, il a jamais été en développement pendant 10 ans, mais au moins 4 ou 5 ans, et je trouve que, voilà, ça a été mal fait. Ça a été mal fait, l'histoire a pas été aussi prenante que ce que je voulais, moi en tout cas. Ah ouais, mais attends, nos stats, elles augmentent vachement si on a...
On va mettre ça, on a plus d'attaque en fait. On va se mettre comme ça. Voilà, je pense que ce jeu a mal fonctionné, l'histoire a été mal découpée. Même si l'histoire est intéressante et bien faite, elle nous a mal été délivrée en fait. Voilà, elle a mal été délivrée dans le jeu. Et on n'a pas vraiment le sentiment de s'attacher au personnage et tout ça. Pourtant, la fin commençait à devenir intéressante. Mais bon, la fin devient intéressante. La fin, on commence à partager des moments avec, avec les personnages. Mais c'est trop tard, c'est la fin du jeu, donc bon. Donc bon, voilà, personnellement moi je trouve ça un peu gâché, et voilà, et si vous voulez plus de détails, donc voilà on va arrêter là, si vous voulez plus de détails de pourquoi je pense ça, il y a eu pas mal de news récemment, enfin ça va faire un petit moment maintenant, parce que vu que la vidéo va être postée bien après, mais allez voir dans ma playlist de news, de gaming news et tout ça, vous allez voir les plusieurs vidéos par rapport à Final Fantasy XV, où c'est que le jeu va être extrêmement différent par rapport à la version qui est sortie et la version que vous allez avoir genre 1-2 mois après, parce que le chapitre 13 va complètement changer, il va avoir le rajout de beaucoup de cinématiques, beaucoup de nouveaux casts, ils vont refaire des voix et tout ça par rapport à Ravus par exemple, vous savez le mec en blanc qui est classe là, parce que lui on sait vraiment rien de son histoire, donc voilà ils vont rajouter énormément de choses, donc on a l'impression d'avoir un jeu en kit. Et c'est ça qui est vraiment emmerdant pour moi, j'ai l'impression d'avoir un jeu en kit, et ça devrait pas, c'est un Final Fantasy, ça devrait être un jeu parfait quand on le sort en fait. Pas parfait, mais fini en tout cas, fini. Et là on le voit qu'il est pas fini, il est pas fini le jeu. Donc c'est triste et ça devrait pas être comme ça. Donc en tout cas, allez voir les vidéos si vous voulez plus de détails, moi je vais arrêter ici. Et merci d'avoir suivi tout le playthrough, parce que c'est vrai que ça fait pas mal. J'espère que vous aurez aimé. J'ai essayé de rendre les choses un peu drôles, un peu sympas. On a toujours fait des choses intéressantes. Sauf le chapitre 13 qui a été extrêmement chiant. Mais voilà, on a toujours eu un peu d'histoire et fait des quêtes secondaires et tout. Mais on va continuer. Et bientôt, il y aura avec le Season Pass, il y aura le mode coop à 4 joueurs. Donc voilà, si vous voulez bien sûr faire de la coop avec moi, pourquoi pas, hein, envoyez-moi une invite, vous allez me trouver sous le même pseudo de YouTube, je l'ai partout sur le Play, le PlayStation PSN, voilà, merci, le PSN, donc vous pouvez y aller. Et ça sera tout, encore une fois, merci infiniment si vous avez suivi tout le playthrough, ce fut un plaisir d'aller jouer. Même si des fois on a un peu pété des câbles, enfin surtout moi. Mais voilà, merci infiniment et à la prochaine. Salut, ciao.